Bienvenue, Champagne, à la radio Kimuntu, ce dimanche 13 septembre 2015, pour notre émission de la radio Kimuntu, Les Aventures Mystérieuses. Nous saluons tous ceux qui nous suivent sur cette radio, en cette émission, et nous saluons tous les membres de l'école Kimuntu, tous les Longo qui, je salue en passant, les Longines, soit de Kimbazi. Je suis votre Mpangi, qui c'est Kinkelo Mazulu, et je vous souhaite les bienvenus pour cette troisième soirée ou troisième diffusion de notre émission Les Aventures Mystérieuses. Sans plus tarder, nous allons commencer par notre première histoire, celui intitulé Les Monstres Calebasse et les Béliers Divins. Une histoire extraite de L'Arbre à Soleil de Henri Godeau. Une collection d'une collection Légendes du monde entier. Une calebasse monstrueuse était posée devant une hutte en ruine à l'entrée du premier village humain. Chaque fois que quelqu'un s'approchait trop près d'elle, elle la dévorait. Elle s'ouvrait en deux et se refermait comme une porte qui claquait sur les malheureux imprudents venus l'examiner de trop près. Ainsi, cette calebasse engloutit les uns après les autres tous les habitants du village de la contrée. C'est une femme nommée Kalma, qui vivait avec son fils dans la forêt, qui est épargnée, ainsi qu'une sorcière si vieille qu'elle ne pouvait pas sortir de sa hutte. Or, un jour, le fils de Kalma échappe à sa mère, s'enfuit rôder autour du monstre Calebasse, qui ne dormait jamais que des nerfs, et voilà l'enfant fut devant. Alors Kalma s'arracha les cheveux, hurla de douleur, et la tête levée au ciel, trébucha et décida d'aller trouver la vieille sorcière. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Rentre, ma fille, rentre, ma fille. Très vieille sorcière, il faut que tu m'aides à briser cette terrifiante calebasse. Je veux délivrer mon fils. La sorcière agite son doigt crochu devant elle pendant un certain temps et finalement répond. Ma pauvre enfant, je vais te dire comment tu dois faire. Écoute bien et suis-moi. Ouvre tes oreilles. Va jusqu'au soleil couchant. Là, tu trouveras un rocher. Frotte la face de ces rochers avec ces piments rouges que je te donne. Une porte s'ouvrira. Alors tu descendras dans le ventre de la terre. Et dans le ventre de la terre, tu chemineras petit à petit jusqu'à ce que tu parviennes devant les béliers divins. Tu diras aux béliers divins que c'est moi qui t'envoie. Et tu lui demanderas de revenir avec toi dans notre village, au soleil des vivants. Kalma remercie la sorcière, prend les piments magiques et s'en va vers le soleil couchant. Elle voyagea jusqu'au crépuscule. Parmi les hautes herbes, elle découvre un rocher gris. Oh, comme un géant chaotique. Elle frotte les piments contre les parois. Aussitôt, elle entend comme un roulement de tonnerre. Et les rocs lentement s'effeuillent. Kalma descendit dans le ventre de la terre. Elle marche et marcha sur un chemin de pierres tracées dans une plaine couleur de feu. Dans le ciel de pierre brille un petit soleil caillou. Elle marche, elle marcha et marcha. Elle ne sait combien de temps, car le soleil caillou du ventre de la terre ne se couche jamais. Elle marcha jusqu'à ce que ses pieds soient devenus complètement lisses. Alors, apparut au bout du chemin une hutte faite d'or.
Calba finalement parvint devant cette hutte d'or à quatre pattes, tant elle était épuisée. Elle pousse la porte. Au milieu de la pièce ronde avec un grand bélier et assis sur son derrière. Un bélier à la poisson rouge, aux cornes couleur de fée enroulées sur ses thèmes. Il regarde Calba effondré à ses pieds et lui dit: que viens-tu faire ici, femme du pays d'en haut? Elle répond: la vie, c'est la vieille sorcière, la vieille sorcière de mon village m'envoie te chercher, les béliers divins. Les béliers divins hochent la tête et répond: grimpe donc sur mon dos. Ensemble, ils reviennent sur la terre. Ils sortent du rocher. Voici l'herbe verte à nouveau, le ciel bleu, les arbres. Le bélier galope jusqu'au village, dépose Calba devant la hutte de la vieille sorcière. Il entre majestueux. La sorcière les salue et se met à chanter. Elle chante, les mains ouvertes devant la figure ridée. Elle chante les méfaits du monstre Calebas. Les chants de la vieille animent le feu du feu dans les naseaux et fait rougeoyer ses cornes de graisse. Elle gratte le sol de sabots fileux. Maintenant, ils sont. Les béliers embrasés, avec les rituels du village et les chants de la sorcière l'accompagnent. Là-bas, devant sa hutte en ruine, la Calebas grince et se réveille et se met à rouler à la rencontre du bélier qui fonce sur elle, tête baissée. Le choc est si terrible qu'il en entend son fracas jusque dans les étoiles. Le bélier divin, comme un caillou jeté, disparaît au fond du ciel, mais la Calebas se brise comme un œuf mûr. Tous ceux qu'elle avait dévorés sont ainsi remis au monde. Mais écoutez la plus étrange merveille qui soit. Dans les ventres de la Calebas, les orques étaient couchés les uns sur les autres, sur quatre rangs superposés. Ceux du haut maintenant sont blancs. Ceux de la deuxième couche sont jaunes. Ceux de la troisième couche sont rouges. Et les derniers, ceux qui se reposaient tout au fond, sont noirs. Ainsi firent crier les quatre races humaines. Telle est la légende. Ceux qui n'y croient pas ne sont que des enfants aveugles et ne comprennent rien au mystère de ces morts. Thank you.
Bonsoir Champagne. Nous allons maintenant continuer avec notre deuxième histoire de cette soirée. L'histoire que nous allons vous raconter s'intitule Les vampires amoureux. Dans les tristes temps, en 1291, au fin fond de la Transylvanie, existait un couple de vampires. Ils s'aimaient tous dépassionnément. Leurs relations étaient quasi fusionnelles. Dans ces mondes, pour eux, il n'y avait que leur amour qui comptait. Et lorsqu'ils faisaient l'amour, leur passion n'avait ni limites. Ces deux êtres habitaient un sombre château retiré dans les montagnes. Ils descendaient dans les villages, situés dans la vallée juste pour se nourrir. Ils ne tuaient jamais plus que le nécessaire pour survivre. Les villages d'hommes vivaient sous la terreur de ces deux vampires qui refusaient de quitter l'endroit où ils avaient été battus. Durant le mois de mars, un ordre religieux, celui des chênes sacrés, débarqua dans le village. Cet ordre était chargé de traquer et de mener une chasse aux créatures et aux hommes ne suivant pas les principes de l'existence. Et ce couple fut donc pris pour cible. En pleine nuit, alors qu'elle ne se promenait dans la forêt, ignorant l'arrivée de l'ordre au village, insouciante, la société secrète captura cette femme vampire. Ils étaient trop nombreux et bénéficiaient de l'effet de surprise. Elle ne fit donc pas se défendre. Ils l'accrochèrent à un bûcher à l'ombre. Elle cirait la supplice du soleil. Son corps serré, réduit en poussière après une lente agonie causée par les rayons du soleil qui feront brûler son corps par l'intérieur. Son mari, voyant que son épouse ne revint pas, partit à sa recherche. Les jours allaient s'élever. Il devait donc faire vite. Il arriva enfin au village et vit que sa femme était attachée à ses bichets. Elle était trop bien gardée. Il voulut la sauver, mais le jour se leva et il fut contraint de se mettre à l'abri de ce soleil pour ne pas mourir à son tour. D'où il était, il vit sous ses yeux sa femme réduite peu à peu en cendres. Et les membres de la société secrète y observaient satisfaits. Assistant à ce terrible spectacle, il promit d'attendre jusqu'à ce que la nuit tombe pour venger celle qu'il aimait plus que tous. Une fois la nuit tombée, il déploya ses ailes et ses griffes et entreprit sa terrible vengeance. Il les massacra tous, les uns après les autres, employant de manière plus horrible les uns que les autres, guerriers, hommes, femmes, enfants. Aucun ne put lui résister. Ce village se transforma alors en un vaste cimetière, dégageant une odeur putréfiante. C'était l'odeur de la mort. Et des cadavres gisant sur le sol. Au milieu de tous ces morts, se tenait un homme. C'est lui qui les avait tous engendrés. Privé de son amour, il décida qu'il rejoindrait alors sa bien-aimée dans l'au-delà. Il resta assis sur un tas de cadavres, lui faisant office de trône et attendit le soleil s'élever. Il voulait mourir de la même façon que sa défunte épouse. Tout d'un coup,
Les rayons du soleil transpercèrent les nuages. Il sentit la ville le quitter peu à peu, mais il ne bougea pas. Aucun mot, aucun cri ne sortit de sa bouche. On aurait dit qu'il acceptait sa mort. Après tout, il serait erré dans le monde dans des sous-cars, leur amour n'en serait pas moins des mêmes. Nous avons champagné, nous avons raconté notre deuxième histoire de ce dimanche. Et j'espère que vous avez aimé. Je vous donne rendez-vous les prochains dimanches pour les histoires mystérieuses de l'école Kimuntu. Je vous salue et je vous entends nombreux pour les prochains dimanches. Merci. Notre troisième histoire, c'est...
dit-il, les choses de la vie. Extrait du livre La Sagesse du Monde. Une veuve a sept fils. Elle est pauvre. Elle est même la plus pauvre de tout son village. Une année, la famine sévit dans les pays et les pauvres, déjà tellement pauvres, touchent les fonds de leur misère. Ces sept fils décident donc de partir gagner leur vie à travers les vastes mondes. Ils laissèrent leur mère et partirent avec les pieds de plomb, désespérés ainsi d'abandonner leur maison, leur village, leurs amis et leur tant aimée mère. Ils voyagèrent donc longtemps, passant de village en village, de ville en ville, mais sans trouver de travail. Ils sont trop jeunes, trop nombreux, trop maigres. De jour en jour, ils ont de plus en plus faim et sont de plus en plus fatigués. Ils dorment les ventres vides dans les bois, dans les fossés ou sur les bords des routes. Avec des habits déchiquetés, la peau remise sur les os, leur destin est plutôt que certain. Un matin pourtant, que le temps est particulièrement mauvais, que la pluie tombe à verse, qu'un vent glacé souffle entraînant à sa suite des nappes de brouillard. Ils sont assis dans le froid, mouillés de la tête aux pieds et tellement désespérés d'être en si mauvais posture. Il se trouve juste devant le mur délabré d'un château. Il frappe à la porte, mais personne ne vient leur ouvrir. Il pousse donc l'éventail et se trouve dans une cour vide. Pas de chien de garde, pas de chevaux dans les écuries, pas de lumière derrière les vitres brisées. Le château était donc abandonné. Ils se dirigèrent vers ce qui semblait être le corps du logis. Ils appelèrent un seul écho de leur voix, les ravins. Ils visitèrent donc toutes les pièces. Elles étaient sales, couvertes de poussière et de grosses toiles d'araignée pendaient partout du plafond. Arrivé à la dernière pièce, il s'arrête stupéfait. La pièce est rangée, propre, élégante, et à son centre se dresse une table admirable garnie de sept assiettes en argent, des plats de viande, des sauces fumantes, des légumes les plus variés, des sept verres en cristal, des sept serviettes de soie, des pains frais dans la corbeille à pain, des bourgeois aux bougies rouges. Dans la cheminée du bûcher, n'attendait plus que l'étincelle pour répandre dans la pièce l'air douce chaleur. La faim est tellement forte que sans y penser, sans autre forme de procès, ils pénétrèrent donc dans la pièce, s'installèrent à la table et mangèrent des belles pâtisseries. L'aîné osa même allumer le feu. Ils sont bien, ils sont confortables. Au beau milieu de leur repas, ils entendirent une voix plaintive qui leur dit « Plus de lumière! Encore plus de lumière !» Ils se regardèrent sans parler. Au bout d'un moment, le silence est revenu et les sept garçons prennent leur verre pour boire. Au moment où ils approchèrent leurs lèvres de verre, la voix gémit à nouveau. Plus de lumière,
Encore plus de lumière, s'il vous plaît. L'aîné prend son courage à deux mains, allume une torche et se dit, je vais voir ce qui se passe. Nous t'accompagnons, 10, 12, les 6 frères. Ils sortent dans les couloirs, montent sur les escaliers. La lune éclaire les marches. Arrivés à l'étage, ils visitent les pièces sans rien trouver. Partout, la même poussière, les mêmes toiles d'araignée. Ils montent encore une volée d'escalier et parviennent à une dernière porte tout au bout de la tour. Ils poussent la porte, mais ont un mouvement de recul. La pièce est occupée par un vieillard à la barbe blanche et longue, tellement longue qu'il touche le sol, et aux cheveux immaculés. Son visage est très pâle. Il est assis sur un vieux siège défoncé derrière une table bancale. Derrière les fauteuils se dresse un énorme tableau qui représente un chat noir aux yeux verts émeraudes qui brille d'une lumière inquiétante et regarde fixement les 7 garçons. Malgré leur courage, ils tremblaient sous ses visages et ses regards perçants. Le vieillard n'a pas semblé voir les 7 frères. Il est plongé dans un énorme livre et semble avoir des difficultés à déchiffrer. Il se met à gémir. Plus de lumière! Encore plus de lumière, s'il vous plaît! Les jambes des 7 frères tremblent de plus en plus. L'aîné sans conteste le plus courageux. Il s'approche du vieillard, prie de pitié. Il lève sa torche au-dessus du livre tout en lui disant « Voici de la lumière. » Le vieillard, homme baisse les têtes, se remit son livre et se remet à lire à vieille avec fierté. Il avale les pages jaunes et jolie, plus qu'il les lit comme s'il craignait que la lumière ne s'éteigne avant qu'il n'ait terminé. À la dernière page, il pousse un soupir et referme le volume relié des vieux cuirs au coin d'argent noirci par les années. L'homme lève donc la tête en regardant l'aîné et dit, je te remercie, mon frère, mon garçon, mon fils. Je vous remercie tous, les autres, de m'avoir libéré. Quand j'étais encore en vie, il y a très très fort longtemps, je n'aimais personne et mon cœur ne connaissait pas de pitié. Les gens me fuyaient. Je fus condamné à rester dans cette pièce sombre jusqu'à ce que j'achève la lecture de ces gros livres. Il parle des gens sages et bons. Il décrit les souffrances, les peines, les larmes, les injustices qui frappent les gens. Il détaille aussi tous les méfaits dont je me suis rendu coupable, mon égoïsme, ma cruauté. Il y a dans ces pages les pleurs des mères qui veillent leurs enfants malades, la douleur des fils qui ne peuvent aider leurs parents, le désespoir des mères que leurs fils ont quittés à jamais. J'ai commencé cette lecture il y a 100 ans et je ne l'avais jamais achevée. Toujours pas. C'est lui qui m'éclairerait. Pouvez me sauver. Vous m'avez secouru. En récompense, je vous donne ce château. Il est bien délabré, mais si vous creusez dans la cave, vous trouverez 7 pots d'or. Ils sont pour vous.
Au moment où il prononce ces paroles, un courant d'air souffle brusquement sur la torche. Le cadet va à chercher un autre, mais lorsqu'il revient, les vieillards, les livres et les chats du cadre avaient disparu. Les sept frères descendent dans la cave et trouvent dans les pots remplis d'or, comme les vieillards les lèvres avaient dit. Ils font venir leur mère, remettent en état le château, nettoyant toutes les pièces et redonnant à la bâtisse son lustre d'antan. Jamais plus ils ne connurent ni de misère ni de faim. Jamais ils n'oublièrent les vieillards, ni le contenu de son livre qui n'était autre que le livre de la sagesse. Nous avons Champagne, nous avons raconté notre deuxième histoire de ce dimanche. Et j'espère que vous avez aimé. Je vous donc rendez-vous les prochains dimanches pour les histoires mystérieuses de l'école Kimuntu. Je vous salue et je vous entends nombreux pour les prochains dimanches. Merci.